Hop là, normalement on est en direct là. Normalement c'est ok. Ouais, ok, ça m'a l'air d'être bon tout ça. Yo, je suis en train de m'éclater à faire un petit truc en mode solo là. Salut les gens. C'est que putain, vache, je vois déjà 10. Bon, je vous explique un peu le truc là. Alors, hop, je cale les feuilles, c'est bon. En gros, je suis en train de faire ça. Cette partie-là avec Terence qui comment dire, enlève son bandage de sa main et fait exploser et tout. Et puis ensuite, là, il commence à se faire travailler par sa boule de feu. Et bah, moi, j'ai envie de faire ça en animé juste pour me tester un peu, pour savoir, pour comprendre un peu comment on fait. Pour comprendre un peu comment on fait l'animation traditionnelle en gros. Parce que ça m'a l'air rigolo. Vous me dites si la qualité est bonne, hein. Je sais pas si normalement elle est bonne. Ok, on va se lancer. Je vais pas rester longtemps. Un Français qui reste pas longtemps. C'est vraiment un truc vite fait, hein, comme vous pouvez le voir. C'est juste pour tester un peu l'animation, ce que ça peut donner.
Ah ouais, vraiment, genre c'est dégueulasse. Alors là, comment faire? Parce que je vois vraiment pas comment faire. Sur Google Hangout, c'est bien, la qualité est bonne, c'est visible et tout, mais sur YouTube, c'est vrai que ça donne de la merde. Donc je sais pas comment faire. C'est une question de connexion ou pas? Same here. Je sais pas si c'est une question de connexion du coup. Hop. Comment on va faire? Je sais pas comment tourner la phrase en anglais du coup, mais...
Hey Hugo? Hugo? Ouais bon, je vais pas gueuler. Ça va être trop. Ouais, la qualité est vraiment mauvaise à ce qui paraît. Et je comprends pas, genre sur YouTube, ça merde, et genre sur Google Hangout, c'est genre c'est bien, quoi, la qualité elle est bonne. C'est ça que je comprends pas. S'il y a un français là qui peut m'aider. Eh, Starfoula, là, ce serait pas de refus.
The quality is always low quality or not. I don't know how to make it better. I'm French, so would you like to see the first 2 seconds?
Ok. You see? Did you see that bitch? Ok. Hop. Quelle appli? J'ai juste scanné, merde. J'ai juste scanné mes dessins et puis ensuite je les ai importés sur Sony Vegas. Et ensuite j'ai monté le tout. Genre, les images de base, ça se met en 5 secondes sur Sony Vegas. Bah là, je les ai mis en 0,04 quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. 0,04 secondes, un truc dans le genre, je sais pas comment. Bah oui, mais non. Salut, je me suis abonné hier. Ah, cool, c'est bien, mec. Ou meuf. Ah, ok, t'inquiète, j'ai pigé, merci. Mais de rien. Attends, les 15, c'est cool. La connexion. Ah, ouais, c'est bon, la qualité des murs. Ok, je comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. C'est pas un truc de ouf, hein, les gens. C'est juste comme ça pour me faire triper un peu.
Non, c'est mec. Non, ok. Non, parce qu'on n'est jamais sûr. Attendez. OK. Ah, je suis con. T'es dans une école de dessin? Non, mais je vais y rentrer. Je vais faire une école de mana. Une école. Putain, je suis trop trop pressé. Genre, vous savez même pas à quel point je suis pressé. Ça va être la plus. Ça va être la meilleure année de ma vie. Et en gros, l'année mana, ouais, c'est une année préparatoire, quoi. Et genre, je vais faire du dessin de base. C'est-à-dire de perspective. Je travaille le volume, dessin d'après nature et tout. Je vais vraiment apprendre les bases des bases et je vais avoir une. Puis en un an, bah tu vois, je vais pas arrêter de dessiner, quoi. Puis je vais faire mes projets à côté, hein, si j'ai le temps, bien sûr. Et 18. Putain, les 18, ça fait. Je sais pas, c'est la première fois qu'on est à Toronto. Et donc du coup, ouais, l'année prochaine, Mala. Et ce qui est chiant, c'est que la rentrée, c'est le 18 septembre. C'est pas genre le 4 ou le 5 ou le 3 comme au lycée. Et genre, je suis trop pressé, alors, du coup, voilà. Mais ça va être trop trop bien. Il faut savoir que de base, je connaissais pas du tout l'école. Donc, franchement, c'est une superbe opportunité que là. Alors, attends, la main, elle est comme ça. Ok. Bon, on va faire la main comme ça, on s'en bat les couilles. C'est vraiment une petite animation, hein, tranquille là. Je vous montrerai ça dès que c'est fini. De toute façon, j'upload la vidéo dès que c'est fini. Donc là, ouais, je fais un live pour vous montrer un peu comment je fais, même si c'est loin d'être la meilleure des. Bah, c'est vraiment novice novice que c'est la première fois que je fais ça. Je passe en terminale, ça va être la galère. C'est chiant la terminale. C'est vraiment chiant. Personnellement, j'ai redoublé. Enfin, j'ai redoublé, j'ai pas le bac, quoi. Du coup, là, en plus du dessin toute l'année, et peut-être même de mes projets, il va falloir que je révise pour repasser le bac, quoi. En candidat libre, je suis pas dans la merde. Ah ouais, parce que moi je passe ma terminale cette année et je cherche une école ensuite et je n'ai aucune idée d'où me diriger. Si tu pouvais m'éclairer un peu, tu as l'air d'en savoir plus. Comment te dire? Il y a plusieurs écoles. La meilleure, je pense, enfin, il y a une grande école, c'est Angoulême et tout, après ça coûte cher.
Sinon, si tu as envie de te taper une année d'école, d'école d'art, vraiment, vraiment, vraiment pro pour le coup, enfin, c'est une bonne école, quoi, pour moins de 4 000 euros l'année. Donc tu vois, ça revient déjà très cher. Et bah, c'est, je te conseille Pivot. Tu vas sur le site Pivot et puis tu te documentes. Sinon, tu regardes, hein, tu as toutes les écoles, hein, tu tapes. Ah merde, ouais, merde, j'en ai fait. Bon, là, on va la faire comme ça. Déjà, c'est trop. Hop. Et là, en fait, je redessine Terence, quoi. Genre, c'est pas du tout mon perso, alors du coup, c'est un peu galère. Bon, là, vous pouvez le faire à l'arrache, quoi, mais bon, c'est à force de le dessiner à l'arrache, bah, du coup, ça vient vite. Ok. Et du coup, ouais, je vais vraiment kiffer l'année prochaine. Voyez, c'est vraiment des dessins à l'arrache. Parce qu'en fait, là, j'ai un projet. On a un projet, parce qu'on est plusieurs. D'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai lancé de base. Avec des gens sur le groupe Dreamland de Facebook. C'est pour ça que je fais ça là, un peu pour savoir quelle fluidité ça a si on fait ce nombre de dessins par rapport au nombre de secondes. Enfin bref. Je me teste un peu. C'est marrant. On dirait qu'il va faire quelque chose de... Attends, c'est peut-être un peu mauvais ce que je suis en train de faire. Ouais, bon.
Oh. En plus c'est de plus en plus petit, donc vous voyez de moins en moins. Non, ok. Du coup, APU, APV, du coup, pivot, que tu vas faire ton mana? Du coup, c'est à pivot que tu vas faire ton mana, ok. Ouais, carrément, ouais. Ça va être trop, trop bien. Wow! I'm not French, fun fact. Yeah, it's really good. Amy Air. Fun fact. True that. C'est pas ce que je voulais.
Ok. Oh merde. You. Je sais pas ce que je viens de faire là, mais je crois que je viens de faire de la merde. Bon, ça va, vous êtes tout ça. Pour l'instant, ça donne vraiment pas grand-chose. J'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire en fait. Ouais, c'est trop soudain, mais bon, on s'en bat les couilles. Enfin, pour un test, on s'en fout, on va dire. Genre les 18, pour ce que je suis en train de faire dans ce moment. Bonne chance pour la terminale.
Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Putain, ça me fait chier de ne pas avoir une lumière en dessous en fait. Merci, merci. C'est cool. C'est cool, Claire. Merci beaucoup. Bah non, on va pas le faire comme ça, en fait. C'est quoi ce bras hyper long? Alors, ça ne va pas aller. Bon, vous inquiétez pas, ce sera un plus gros plan après. Ça va arriver.
Non, mais je dis que je vais faire Puro et. C'est bien moche en tout cas pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Oh, j'arrive pas à trouver le. La fin de ma phrase. J'arrive pas à la trouver.
Bon, je vais scanner tout seul à vite fait après. Dès que la boule de feu explose, là. Dès que ça explose, je vais essayer de... Hop, de scanner ça après, ça va prendre un certain temps, donc... Pourquoi ta caméra a une aussi mauvaise qualité? Ouais, c'est ça, alors. Je pense que ça vient de la connexion. Je pense vraiment que ça vient de la connexion. Comment dire? Parce que sur Google Hangouts, c'est genre nickel. Genre la qualité est bonne et en gros sur YouTube, elle est dégueulasse, elle devient dégueulasse. Donc je sais pas si je dois faire des réglages ou quoi et je sais pas ce que je dois toucher en fait. Oula, t'avais pas dit que t'allais piquer la caméra. franchement, ouais, va falloir que je fasse ça là. Non, non, mais je crois vraiment que c'est une question de. Hop, attendez. Je pense vraiment que c'est une question de connexion en fait. Ok, je demande un live il y a quelques heures et t'en fais un. Bah ouais, je t'ai répondu par commentaire. Et c'est vrai que ça vient de toi l'idée. Hein. Si j'avais pas pensé à ça, mais bon, je savais que j'allais passer la soirée à faire un pauvre truc solo de mon côté là. Donc je me suis dit autant le partager. Là, il doit rester genre 3 dessins avant l'explosion, je pense.
Ça fait plaisir d'entendre, il n'y a pas de souci. Bon, le dessin animé, on va dire, il ne sera pas très très fluide, hein, je pense. Hein. C'est vraiment un test-test. Marie, tu dis bonsoir. Vous avez organisé la petite sortie du restaurant du voisin. Quand tu es en train de dessiner, j'aimerais demander aux gens sur le chat quel est. Non. Bon, enfin, je veux que je vous le conseille vivant. Bonne ambiance en tout cas. Vraiment, c'est vraiment un bon truc ce que tu fais là. Hello, blue. Attends, j'ai. Hello, hello. Hello, hello.
Don't know why you say goodbye, I say hello. Et si on scannait tout ça, les gens? On va scanner. Merde. On va scanner tout ça, là. Wow, attends, j'en ai combien, là? Ah ouais, non, ça va peut-être faire un peu beaucoup. De toute façon, on n'a pas le choix, mais. Putain. Ça va peut-être faire un peu beaucoup. Alors, je pense que ça va être la partie la plus chiante de la vidéo. Ça, il y a des risques. Alors, attendez, est-ce que ça fait partie du truc? Merde, je sais plus. Alors, ça c'est le dernier, ok. Bon là les gens, il y aura du bruit, il y a du scan à faire même. Ça m'étonnerait même pas que tout reparte. Bon hop. Et je vais scanner tout ça et puis ensuite... Ensuite, soit je vais faire un dessin à part, ou soit je vais monter le tout et puis je vous montre. Mais bon, ça va pas être très très intéressant comme live, quoi.
Donc pour le rendre intéressant, n'hésitez pas à poser des questions. Pouvez y aller. Tu me tues, Grave Cigar. Alors, non mais mec, en fait je crois que c'est une question de connexion en fait chez moi. Qui fait que là c'est. Attends. Ok, ça il faut que je scanne du coup, c'est bien ça. Je vois que tes abonnés sont pas très réactifs. Là, je suis en train de manger de la peau. Ouais, ils sont pas. Ouais. Ah bah il a pas bousculé. Mais je te jure que c'est ça en vrai, je pense. Hein. Donc là, j'ai une vingtaine de dessins à scanner, donc ça va prendre du temps. Et mec, en fait, je t'explique vite fait sur Google Hangouts qui me permet de justement faire live avec la webcam. Et ben en gros, sur Google Hangouts, l'image elle est nette, elle est bonne qualité et tout. Et là, rendue sur YouTube, une fois en live, bah, elle est dégueulasse en fait. Cas, moi j'aime bien tout ce qui est scanner 20 000 feuilles. C'est vraiment parfait quoi. C'est vraiment le truc que je ferais tous les jours. Est-ce que tu as bossé l'animation ou tu y vas au talent? J'y vais vraiment au talent, ça se voit d'ailleurs, je pense. Tu verras, hein, comment dire, l'animation, elle sera pas fluide là. Elle sera pas fluide, pas fluide, pas fluide. Tout ce qui touche au scan, c'est un peu une passion. Ouais. Tout ce qui touche au midi en général, j'aime bien. Façon, moi, tout ce qui est midi, j'aime bien. En tout cas, gros live. Hein. C'est un très très beau live, là. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Je pense que là, personne s'ennuie quand je scanne tous mes dessins. Ce qui est bien, c'est que ça met pas genre 10 secondes par dessin en plus à scanner. Vous voulez que je fasse un fan art après ou que je monte, comment dire, l'animé devant vous, enfin l'animé de quelques secondes devant vous. Ou alors on fait un truc, genre vous me dites des idées de dessin et puis je les dessine, genre, ou je sais pas, en mode je dessine vos idées, quoi, un truc du genre. Onze personnes plutôt actives, c'est ce qui tu as posé des questions à personne intéressée, on adore, mais ah bah ouais. Je pense qu'ils ont tous ouvert un autre onglet. Un onglet navigation privée, à mon avis. Pendant ce temps-là. Là, ils doivent l'apprécier le live. Mec, je crois que tu as beaucoup d'abonnés fantômes. Et oui, je veux l'anime. Ok. Ça va mettre du temps à monter tout ça devant vous. Hein. Mais bon, si vous voulez. Si c'est l'éclate, alors. Si ça vous fait taper des barres, il y a vraiment moyen de s'en gêner. Oh, bon. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Putain, mais il me reste combien de dessins encore? Oh, il doit m'en rester 15. Une dizaine, une douzaine. Ça me saoule déjà. C'est chiant de se caler. C'est vraiment tout ce qui est bien et tout. Voice. Est-ce que je viens de scanner celui-là? Bon, puis on va le scanner. Ah bah, quand c'est marqué Homemade Traditional Animation Dreamland,
Ça va pas être du Yusuke Murata, hein. En effet. Après, si vous voulez, je vous fais un Saitama. Un Saitama couleur et tout. Bon, je suis pas vraiment chaud pour ça, mais. Non, on va juste faire l'animé, je sais pas. Vous connaissez Glen Keane? Bon, j'attends pas de réponse, mais en gros, allez regarder son taf. Genre, Duet Glen Keane. Kean. C'est une short animation genre trop trop classe. Tu t'inspires pas mal de Murata. Murata, ouais, carrément. Son travail, il est hallucinant. Dans tout ce qu'il fait d'ailleurs. Wow. La couleur dans son dessin, tout simplement. Il est ouf. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, ça, scanner des pages. Il y a toujours autant de monde. Ça a l'air d'être une passion. Et c'est que ça monte en plus, c'est. Bah, il y en a qui viennent, ils voient le délire et ils se barrent direct, ça me fait marre. Épelle-le. De quoi il parle? Ça... Ah oui, d'accord, ok. Non, ok. Glen, Glen, espace, Keane. Attends, vous savez quoi? Je vais vous l'écrire là. Glen Keane Duet. Matez ça et dites-moi ce que vous pensez de ça. Vraiment. Ça déchire. Niveau animation. Je trouve ça genre vraiment trop trop beau, quoi. Ouais, matez ça pendant que je fais mon truc là. Pour que je scanne mes feuilles, là, il m'en reste peut-être une dizaine. Il doit m'en rester 10 là. 10, et chaque scan c'est 10 secondes. Donc, tout ce qui est scannage en même temps, on l'aime. Il sort quand le chapitre de ton manga? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit l'histoire et tout. Ce que j'ai, enfin, j'ai écrit l'histoire et tout, et en fait, je sais pas, ça ressemblait trop à comment dire, à Nanatsu no Taizai. Du coup, pour l'instant, je sais pas, je me tente à d'autres choses, je fous rien, je fous un peu rien aussi de mes journées, ça arrive. Je glande, puis bah. On verra. Je pense que je vais renommer ce live et je vais mettre le plus gros live de tous les temps. Scannage en cours. Je ne parle pas français. Is it possible to become a comic book artist, even if you use regular paper? I don't really have the money. You only need wait. Ça me perturbe là, de répondre en anglais en même temps de scanner. Surtout que j'ai un anglais désastreux. You only need to really work hard and to be motivated. C'est loin du vieux CGI de certains animes. Ah bah c'est vrai que je comprends tout. Hein. J'aime bien tout comprendre. Je te le dis, hein, je connais rien dans le domaine.
Je crois que là, tu es en train de parler de Glenn Kean, là, son truc là. Et je le trouve vraiment magnifique, moi, son. Sa façon d'animer, c'est vraiment trop trop beau, quoi. C'est hyper fluide et genre. L'histoire, elle est trop trop belle aussi. Il n'y a aucune parole, juste de la musique. C'est genre. J'ai vraiment envie de faire ça. Là. Après 3045, faut savoir que ça représente des milliers de dessins, quoi. Donc, voilà, sachant que je fais juste un test et que je suis vraiment hyper novice dans la matière, je vais pas m'amuser à commencer par le plus grand. Par le plus grand. Par le plus grand, par le plus grand. Je vais pas viser trop haut non plus. C'est pour ça que je fais ça là, vite fait. Peut-on voir ton manga? Ça pour le voir. Puisqu'il n'a pas avancé, ben. C'est vrai que j'ai glandé ces derniers temps, j'ai rien foutu. Hein. Ces derniers temps, j'ai un peu glandé, ouais. Donc là, ouais, non, il n'y a pas de progression en haut. Là, ce qui est chiant, c'est que les pages, je les colle au couvercle du scanner. C'est un peu chiant. Ça va, le bruit, il est agréable ou pas? Où peut-on voir ton manga? Bah, du coup, bah non, j'ai encore les pages d'avance et tout. D'ailleurs, les pages d'avant, bah, c'est à refaire. Le chapitre, il est à refaire, parce que du coup, j'ai remodifié l'histoire pour qu'elle soit plus intéressante, plus travaillée et tout. Et là, il me reste des trucs encore à faire, et je pense que je vais carrément écrire une autre histoire, d'ailleurs, parce que celle-ci ressemble un peu trop à un Nanatsu no Taizai, en fait, genre vraiment. Pour le coup, ouais. C'est avec une mythologie différente, mais les bases en fait c'est vraiment les mêmes quoi. C'est ça qui est un peu. Je m'en suis rendu compte en fait assez tard et ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Alors, il reste trois dessins les gens à scan. Enfin, quatre avec celui-là. Ah ouais, non, je préfère largement le travail de Glenn Kanae que l'animation 3D. Je préfère largement l'animation traditionnelle plutôt que l'animation bah, d'aujourd'hui où c'est vraiment tout est numérique quoi. Et ça, j'aime vraiment pas ce style-là en fait. J'aime vraiment beaucoup le dessin fait main, quoi. Les Disney de l'époque là, vraiment cool. Du coup, je fais le montage là, après là. Je fais le montage devant vous, ça va prendre du temps, ça va être chiant, mais si vous voulez. Bon scannage. Ouais, merci Ivan. Je suis désolé, hein, je te réponds pas pour l'instant parce que. Parce que j'adore tout ce qui est scanné, ça c'est vraiment une passion. Du coup, je privilégie ça un peu. Hop. Ce tas de feuilles est juste énorme. Donc, on va mettre ça à la suite de ça, j'imagine. Hop. Boom. Là pour l'instant, la petite animée de genre 3 secondes, là, enfin 4-5 secondes, et ça donne ça quoi. Et genre 20 milliards de feuilles. Et c'est à peine si j'abuse. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Boum. Hop, excusez-moi, j'ai galéré un peu. Donc, hop.
Donc là maintenant, il faut que je retrouve les images. Oh merde, c'est quoi la bonne? La bonne image, c'est laquelle? Ah oui, ok, c'est bon. Donc là, à partir de là, 19, ok. Donc boum. Ouais, je suis obligé de les faire pivoter comme ça. Pour qu'ensuite elle soit bien. Hop. Elle soit bien pour le montage ensuite. Je sais pas du tout ce que ça va donner hein, pour le coup là. Tout ce qui est pas savoir, on kiffe. Ok. Donc à partir du 19, hop. Donc ce qu'on va faire, c'est que le clip montait avant. Ah ouais, je peux le revoir. Bon, bah, cool. Merde. Ouais, 27 dessins quand même. Donc là, c'est la partie un peu drôle. Vraiment, la partie que je kiffe le plus, là, je crois bien. C'est vraiment passionnant, quoi. Donc bien sûr le Sony Vegas je l'ai acheté vraiment pas cher en plus. Faudrait que j'arrête avec l'ironie un peu. Vous voyez, c'est vraiment une joie. Hein. Vais regarder les questions en fait s'il y en a. Je vais voir si j'ai bien calé la webcam aussi, tiens. Merde, qu'est-ce que je viens de faire là? Ok. Le dessin fait main, ça fait plus naturel et ça a un certain charme personnellement. Ouais, carrément. C'est quoi ton scanner? Il m'en faut un pour scanner du A3. Tanker. Achète un scanner A4. Donc là, le mien, c'est le LEED 120 de chez Canon. Il est à 65 balles. Et en gros, je sais pas, tu vas chez Office Depot, t'imprimes tes pages A3 en A4, en gros. Et ensuite, tu les scannes en A4 sur ton propre scanner. Et ensuite, tu les auras sur PC. C'est mieux comme ça, je pense. Parce qu'un scanner A3, c'est 180 balles minimum francs. Après, vous ne devinerez jamais ce que cet homme fait. Ah, vous ne devinerez jamais. Impossible. Tout ce qui est fluidité qu'il n'y aura pas, ça va être bien ça.
Faudrait que je voie les tutos sur YouTube, il doit sûrement y avoir ça. De comment rendre fluide le travail. L'animation. Bon, en toute logique, faudrait faire 20 milliards de dessins, mais est-ce qu'il y a une technique particulière où on peut faire moins de dessins, mais pour rendre le tout fluide quand même? Ce serait cool ça. Un bon délire tout ça. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, quoi. C'est ça qui est stressant en plus. C'est passer quelques temps quand même pour le dessin pour au final avoir une bouse, quoi. Enfin, en même temps, c'est pas vraiment bien ce que j'ai fait, quoi, mais normal. C'est très très bâclé là, le crayonné, le travail là, mais. C'est juste pour tester un peu. Merde. Bring the love, just my baby love. Baby love, not tonight. Do, 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 do. Hop. Ah bah nickel. Hop. Quel chanteur? Ah, je sais bien. Tu sais qu'on doit voir ton profil là du coup, je pense, hein, quand on voit les messages. Là c'est toi qui vois, hein, mais. Le fameux Darkro. Donc vous voyez, il me reste une dizaine de dessins à assembler, à monter. Donc ça vient quand même petit à petit, mais c'est vraiment ça à la limite qui me prend le plus de temps, quoi. C'est d'autant plus relou. Trop flou pour bien voir. Ah ouais, viens. T'as de la chance qu'il y ait une queue de merde du coup. Mais il y a un live où le. Comment dire, l'image était nette, elle était propre et tout. Je comprends pas pourquoi là ça recommence. Merde. Bon, je vais retourner voir s'il y a des messages. Je suis sûr qu'on sera que 2 sur le live. Oh putain, on est 13. Tu peux pas switcher sur l'écran directement. Et bah tu sais quoi? Je sais pas du tout comment faire. Demain. Faut un logiciel et tout, mais j'ai pas ça. Enfin, je suis pas un logiciel de comme OBS ou je sais pas quoi. Je suis pas vraiment ça pour l'instant. Puis j'ai la flemme de télécharger ça. Profiter un peu de la bonne qualité de ma webcam. C'est vraiment parfaite et tout. Oui.
Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va vraiment être un chier, on n'en sait rien. Ça commence à viander. Ah oui, il va falloir que je zoome en fait sur ces dessins aussi. Attendez. Ah oui, c'est pas du tout fini là, en fait. Merde, hop, hop. Bon, je vais les mettre comme ça pour l'instant. Il en reste combien? 4. On est à 5 secondes quand même. Vers 2h du mat, le rendu, je pense. Ok. Putain, et elle dure combien de temps ta vidéo en fait? Enfin, si tu regardes toujours le live en même temps. C'est pas normal que ça mette autant de temps. Quarante-quatre minutes 10, ah oui, c'est pas un speed drawing à la 6 minutes du coup. Et c'est pas normal que ça mette autant de temps pour un rendu. Merde, bon. On va le faire à l'œil. C'est bon. Bon, voyons voir ce que ça donne en avant-première. Est-ce que c'est bien? Merde. Est-ce que c'est bien? Hop. Oh, je sens la déception arriver. Bon, let's go. Ça va, hein, ça va, ça va. Pour un truc que j'ai fait en 2 secondes, ça va. Enfin, 2 secondes, c'est. Ça peut aller. Hein. Ouais, c'est marrant, ça me donne envie de faire la suite là. Après, pour dire, les dessins sont vraiment mal calés pour le coup. Et c'est pas assez voulu en fait. Hein. C'est pas, je ne veux pas faire un travail trop fort pour un test et tout. Ça ne servait à rien. Je voulais juste voir ce que ça pouvait donner de faire bouger un personnage comme ça. Et vu que c'est une première, bah, ça va. Ça peut aller. On comprend le mouvement, j'ai l'impression. Enfin, moi, je comprends le mouvement en tout cas. Après, je ne sais pas si vous pouvez le comprendre. Boum. Ah, j'aime bien. Bon, le seul défaut, c'est que moi, je fais ça sur Sony Vegas, quoi. C'est-à-dire que je dois zoomer, truc dans le genre, je dois bien calmer la photo. Ouais, je dois bien calmer la photo. Du coup, ça relève une partie du dessin à chaque fois.
Je sais pas ce que vous en pensez. On va regarder ça. Salut, je vais me coucher mon live et n'oublie pas de regarder mon It's happening. Ok. Bah avec joie, vraiment, c'est un bonheur. Je vais faire ça. Du coup, je continue ou pas? Je continue la suite là? Ou je fais un. Ou genre je fais un. Genre je dessine vos idées ou alors je fais un fan art, je sais pas quoi. Bon, je reste en tout cas. Ça va faire 2 heures qu'on a lancé le live. Je suis vraiment qu'au début en plus de l'animation. Hein. Parce que si j'ai un. Donc ça va finir d'ailleurs. Ça va finir plus cette case-là. Enfin, plus cette case-là, toutes ces cases-là à faire là. Là, ce que je viens de faire, c'est même pas un dixième du taf là en gros. Et si je fais vraiment ça là, le punch et tout. Ouais, ça va être tendu. Hein. Ça représente beaucoup trop. Moi tout seul là. Donc, est-ce que ça vous tente, vous, éventuellement, que je continue? Faut que j'essaie de comprendre en fait pourquoi la qualité elle est mauvaise. Ouais, c'est bon. Non, je sais pas comment faire là pour. Bah, bien sûr, continue, bordel. Il y a moyen que tu sortes un truc sympa. Ok, bon, on fait ça. Alors, attendez, la pile de feuilles, elle est où là? Merde, mais je l'ai posé. C'est en dessous de ça là ou pas? Non, même pas. Ah si, 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 si. Ah mais si, 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 c'est que les dessins. Ok, super. Ah ouais, elle est là, c'est bon. Attendez, pourquoi c'est aussi dégueulasse là, l'image? Bon, je vois, hein, salle de contrôle en direct, je ne sais pas ce que c'est. Flux 720p. Le débit actuel de flux est inférieur au débit recommandé. Nous vous conseillons d'utiliser un débit de 2000. Ouais, alors là, je suis à 1 cinquième du débit conseillé en fait. Et ça vient de la connexion. C'est bien ce que je dis en fait. C'est bien ce que je dis, les gens. Ça vient de la connexion. Merde, je sais pas si quand je bouge de page, ça. Bon, alors attendez, on va faire un truc. Je bouge 2 secondes, je vais voir si je peux améliorer ça.
Après, j'ai internet avec une clé aussi, donc ça aide pas. Yo! Genre, il y en a 15 alors que je fous rien du neuf. C'est chaud. Hop. Alors attendez, je vais revoir le débit que j'ai en fait. Parce que c'est vraiment par rapport à ça en fait que la qualité elle est si mauvaise. Alors attention, je suis à 700. Ok. Là, je suis à un quart quoi de ce que je devrais avoir. C'est vraiment pour ça en fait là que la qualité est si mauvaise, c'est à cause de ma connexion. C'est vraiment sympa ça. Je sais pas comment faire. Bon allez, bref, on va continuer. On ne t'en veut pas. Franchement, nickel. Tout ce que je voulais, quoi.
Salut à toi, Marc. Après, je joue avec la meilleure qualité possible. Excellent. Ouais. Fais donc. Donc ça doit prendre plus de temps. Ouais. Putain, la qualité, elle est vraiment dégueu pour vous. C'est ouf. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais je comprends pas pourquoi ma connexion est aussi nulle à chier, quoi. Hop, donc là je fais un zoom avant en fait dans le dessin. Mission activation du train. Alors, et je vais peut-être essayer. Par contre, je fais pas tout. Comment dire? Je fais juste Terrence hein, qui bouge son cul quoi. Avec sa flamme, c'est tout. Je ne vais pas intégrer toutes les séquences qu'il y a dans les pages de manga de Dorian dans le tome 10, dans le tome 14. Ben sinon, je m'en sors plus. Et le but, c'est pas de faire un animé. Enfin, si, mais voilà. Ouais, un mini-animé, quoi.
I was near somebody, Selena. On va tout faire péter, mon gars. Mais avant de tout faire péter, on va rentrer le truc. Et franchement, par contre, un crayon en papier, ça passe vite. Alors, ça se consume vite en faisant un animé. Genre vraiment vite. On oublie l'ancrage. Ah non, c'est un test, mec, je fais pas l'ancrage. Donc vous voyez, hein, c'est du ribouille, hein, je fais dans tous les sens. C'est ça que je sens qui est bien. Ah oui, ok. Pas de soucis, man.
Sur PS3, ah ouais, ça doit être encore plus pourri la queue. La qualité. Putain, j'ai bugué. Oula, attendez. Ça, c'est le truc de maintenant. Wow. Vous voyez, ça avance quand même assez vite, hein. C'est rien à faire avec les cheveux. Ouais, j'imagine. Colombia. Hello. Yep. Salut Stadanim. Bienvenue sur cette petite chaîne en live. Thank you.
Live de bonne fortune. Live de rien du tout. Live de grosse merde là, que je suis en train de faire là. Putain, hey, c'est quoi ce que je suis en train de faire quoi? Je sais pas comment. J'en fais encore 5 maximum et ensuite je scanne tout ça et je remonte tout ça et puis ensuite je vais sûrement arrêter le live. Je sais qu'il n'a pas les sorties comme ça dans le manga, mais moi j'aurais dû les faire comme ça.
Petite question à te poser, tu vas ancrer si oui, et si oui, avec quoi? GPN ou les stylos chelous? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les stylos chelous, bah, les stylos à encre noire fin, quoi. En gros, il y a pas mal de marques, hein, Deletter, Mockelmark, Pigma, Graphic, sinon. Mais non, quand j'encre, c'est la GPN, bien sûr. Mais j'encre pas. Celui-là, c'est vraiment un test d'animation. Wow. Don't Là, je suis en train de... Merde. De gommer, parce qu'en fait, il faut faire bouger la boule de feu, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Qu'est-ce que je fais là? Oh merde, comment je peux faire ça? Est-ce que si utilise la GPN sur une feuille A4 au lieu d'une feuille d'éditeur, celle-ci s'abîme? Faut savoir qu'une plume ça gratte la feuille. Donc là vous voyez, je suis en train de faire ça sur des feuilles très très souples d'imprimante en gros. Et faut pas, enfin, on peut. Mais le papier reste fragile quand même et à tout moment ça peut comment dire la plume au grattage quoi pour ancrer normal, ben ça peut abîmer le papier et vous faire foirer l'ancrage, ouais. Et après normalement ça passe quoi, mais c'est pas le meilleur papier quoi. Mais franchement ça passe pour faire les mangas au début. Salut, salut Colin. Colin Tancé. Ouais, il va falloir que je taille le crayon. Voilà.
Bon, la dernière, avant de monter ça vite fait, et puis ensuite je vais sûrement prendre une pause, là, arrêter ou recommencer après, en tout cas peut-être. Ça, c'est moins sûr. Eh merde, j'ai pas fait la... celui-là. Terrence en rétroc, ouais, c'est ça. Ah oui, Cocu, il y a encore pas mal de monde, c'est ouf. Hop, le tome, donc ça fait ça. Donc comme ça. Ah, c'est bon ou pas, Ivan Hugo? I'm glad you came. J'ai besoin de la dôme, mais elle est tombée. Ok, bon, je vais la chercher. Pourquoi je voulais aller comme des gens? Pour ça.
Alors, vu que j'ai dit que c'était le dernier dessin, on va passer au scan. Je crois que j'en ai déjà fait une dizaine, moi. Il était à ça, il me semble. Je sais plus. Alors, hop. Ok, non, là c'est bon, j'ai tout. Merde, qu'est-ce que je viens de faire? Je scanne les gens. N'hésitez pas à passer un message ou des questions. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est vraiment ma partie préférée aussi, c'est un truc assez phénoménal. Ouais, j'avais fait genre 10 dessins, je pense. Là, il me reste 6 à scanner. Ouais, donc j'en ai fait pile 10. Tu arrêtes? C'est quoi cette question? Non, non, j'arrête pas pour l'instant. Bon, voilà. Salut Stravromula. Stravromula. Salut, salut. Un bon retour. Je vous laisse un peu animer le chat là, puisque le scanner m'occupe beaucoup, j'adore ça vraiment. C'est vraiment la partie la plus intéressante qui soit. Alors, je vous préviens, il me reste 3 scans encore. Je fais du scan et on les 15. Enfin, 16 en tous les cas. C'est vraiment la partie la plus intéressante, quoi.
chat, déjà. Bon, on va voir ce que ça donne là. Parce que en 10 dessins, ça équivaut à environ une seconde, quoi. C'est très approximatif, on va dire. Ah, ça me fatigue là, de scanner. Allez, le dernier. Hop. Ensuite, là, on va monter ça sur... Je sais pas du tout ce que ça va donner pour le coup. Hop. Hop, 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 hop. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez assister à tout ça, parce que c'est drôle, c'est quand même vraiment très très drôle. Hop. Ok, donc c'est bon, j'ai fait le truc. Boum. Allez. On recommence. Je vais mettre ça sur le groupe Dreamland là, dès que je peux. Enfin, dès que c'est OK, on va dire. Attends, c'est saoulant parce que là, on voit pas toutes les flammes en fait. À cause de. Va falloir que je vois. Ah ouais, tiens. Je vais voir s'il y a un logiciel de d'animation exprès pour ça en fait. Vous voyez, on peut pas voir tout le dessin en fait. Avec ce logiciel, donc je vais regarder après pour un logiciel de montage bien comme il faut là. Allez, mais attends, ça faut le. Hop. Ouais, ça prend pas toute l'image, c'est chiant ça. Du coup, je suis obligé de faire un entre-deux et d'éliminer une partie du dessin, quoi. C'est pas très cool.
On va voir ce que ça donne. Je suis quand même à 7 secondes, hein, quand même. Là, on va dire que ça m'a pris, avec le scanner et tout, ça m'a pris genre 8 heures grand maximum et je suis à 7 secondes d'animé quand même. C'est cool. En même temps, c'est la qualité médiocre. Alors, hop, je vais voir si c'est bien. Ok, ça a l'air d'être bon. Bon, ouais, merci. Tu regardes quoi comme manga? Moi, en tout cas, je regarde Dragon Ball Super, si tu connais, tu en penses quoi? Je regarde pas. En animé, je regarde. En animé, qu'est-ce que je regarde? Ah, je regarde rien en ce moment. Bon, je vous montre le rendu du coup. Ce que ça donne en tout. Let's go. Hey, ça va, c'est marrant. C'est trop marrant de voir Terence bouger comme ça. Oh, c'est trop bien. Enfin, c'est nul parce que c'est mal fait et tout, c'est mal calé, mais c'est trop marrant de voir les dessins bouger. Surtout que moi je fais 10 dessins pour 1 minute, 1 seconde et demie. Et normalement, je devrais en faire. Pour 1 seconde, je devrais refaire au minimum 12. Mais ça va, on comprend quand même ce qui se passe. Nice. Allez, une dernière fois. C'est trop cool. C'est genre trop trop bien. Alors, on va rendre tout ça. Ça va prendre 2 secondes. Allez, hop, animation de fuck. Fais le rendu puisqu'on sait jamais. Je peux très bien perdre le truc, je sais pas pourquoi, mais je pourrais très bien perdre tout ça et ça fait chier de remonter tout ça. Bref. Allez, on se le Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, là, une fois? Tu vas le montrer à Renaud? Merci Claire. Et est-ce que tu vas le montrer à Renaud? Bah, je vais le mettre sur le groupe de Dreamland, il va peut-être le voir. Hein. Mais de toute façon, on va lui demander l'autorisation si on peut faire un opening entre nous, là, tranquille, sur son manga. Parce qu'il nous faut son autorisation quand même. Parce qu'au niveau droit d'auteur, tout ça et tout. Les gens, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais manger un bout et je vais boire. Et je vais me mater des vidéos de genre Glenn Kean, là. Le fameux, et puis je relance le live juste après. Ou en tout cas, j'avertirai si je refais un live, quoi. Mais normalement, je vais refaire un live puisque je vais continuer ça, ça me fait marrer. Tu utilises quel logiciel pour l'animation? Alors, c'est pas un logiciel fait pour l'animation, c'est à Sony Vegas, c'est tout. Et du coup, quand je recadre l'image pour que ça soit parfait, pour qu'il n'y ait pas de bande noire, bah, du coup, ça supprime une partie du dessin.
Et ça, c'est chiant en fait. Donc, du coup, je vais justement là, je vais manger, je vais voir, je vais regarder les vidéos et tout. Et pendant ce temps-là, je vais regarder si je peux pas choper un logiciel d'animation justement pour bien caler les images. Donc, voilà. Donc, je reviens certainement après. Voilà. Donc, on se dit à toutes d'ici 1 heure, je pense. Il y aura beaucoup moins de monde, je pense, mais voilà, je vais pas me coucher avant. Je vais pas me coucher avant 4-5 heures, moi, donc. Vu qu'il y a autant de monde, bah, c'est cool. Donc je vais relancer le live après, je pense. Starfula. Bon, on se dit à tout à l'heure. Ciao. Ciao, bye. À toute Claire. Et je vais essayer de voir pour la résolution, pour la connexion, puisque c'est à cause de la connexion que la qualité est si mauvaise. Là, vous voyez, je suis à un quart de ce que je devrais avoir. Et ça va, on voit un peu le dessin quand même, mais comment dire, la qualité, elle est dégueulasse, quoi. Donc je vais essayer de résoudre ça aussi. Bref, à toutes, ciao. Bye.